Bonjour, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tweak qui s'appelle WeRoll, et donc qui va vous permettre d'ajouter un effet lorsque vous affichez votre centre de notification. Donc en fait, la page qui va être en dessous, donc vous allez pouvoir lui donner plusieurs effets. Alors vous pouvez le télécharger gratuitement donc sur notre repo, donc WeRoll, donc à la version 0.6.1. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans vos réglages. Donc vous avez le petit icône ici, WeRoll, vous allez dessus, alors vous l'activez bien évidemment, et ici vous avez plusieurs modèles d'animation, donc je crois qu'il y en a 13, voilà exactement, donc là il y a spirale, par exemple j'ai coché spirale, donc quand vous descendez, vous voyez, donc vous avez la page de derrière qui descend en spirale. Voilà, si on fait un autre effet, voilà, donc switch. Donc lui, il va aplatir carrément le fond. Inner Cube, donc va faire comme une page en cube. Outer, ça va être dans l'autre sens, voilà. Minimize. Bounce. Donc c'est celle, elle ne bouge pas, c'est celle de derrière donc qui reste figée. Voilà, donc vous avez 13 effets à choisir. C'est pas mal, ça donne un effet sympa, on va dire, pour l'ouverture de votre centre de notification. Donc voilà, c'était l'animation, le tweak WeRoll qui va vous donner donc un effet à l'ouverture de votre centre de notification. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas donc à aller sur notre site, sur notre chaîne de YouTube, et donc en cliquant ici sur le petit onglet s'abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.